te voit pas parce que distanciation sociale. Ouais, il faut trouver un moyen là. Ça te va là? Bah ouais, là, c'est bien. Je suis vraiment assez à 8 là. C'était il y a 5 ans. On m'avait volé la voiture. J'ai même pas dit bonjour, tu sais. Salut les loulous. Tu dis bonjour, ça y est, c'est... Salut les loulous. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo assez spéciale, étant donné que je suis en compagnie de mon monsieur. Est-ce que t'es content d'être là? Est-ce que j'ai le choix? Bah si. Alors je vous ai demandé sur Instagram de nous poser des questions sur notre couple, mais c'est pas moi qui vais répondre, ça va être monsieur qui va répondre. Tu vas répondre aux questions sur notre couple. Moi je vais pas répondre, je répondrai après toi. Bon en fait c'est moi qui fais la vidéo quoi. Donc du coup j'ai sélectionné quelques questions, j'en ai profité pour poser des questions que j'ai pas l'habitude de poser. C'est la question in. Par contre t'as la bougeotte. Bah oui. Alors une question qu'on a beaucoup posée du coup, c'est la question comment vous vous êtes rencontrés. Voilà, je te laisse répondre. C'était un mercredi après-midi, okay. Il était 14h30, je sortais, je sortais de mon concours d'école de commerce, ouais. Je t'ai vu au loin, sous un cerisier. C'est vrai, c'était sous un cerisier. Elle était en train de peindre. Oui, c'est vrai. La Joconde sûrement. Non. Il faisait 27 degrés. C'est vrai qu'il faisait chaud. Puis voilà, c'était comme ça, c'était chez mon cousin. Ouais, exactement, et j'étais en train de peindre, c'est vrai. On était potes. Ouais, et après on est restés potes pendant longtemps. C'était en 2015. Bonne réponse, hein, parce que je... C'était ouais. Avec du détail. Allez, suivant. Qui a fait le premier pas? Moi tu connais, hein. Les beaux gosses ils font jamais les premiers pas, hein. Non, c'est vrai que je... Non, je vais pas mentir, oui, c'est grave moi qui ai fait le premier pas. C'est grave moi qui t'ai pécho, en vrai. Et je vais pas faire la mytho, non, machin et tout. Pour moi, il n'y a pas de sens en fait. Il n'y a pas de, comment te dire, c'est à l'homme de faire le premier pas et tout. Non, c'est grave moi qui fais le premier pas. Et j'ai bien fait. Hein, j'ai bien fait. Mmh. Oui, bah j'ai bien fait. Mmh, oui. Autre question qui est... Qu'est-ce que vous aimez le plus chez l'autre? Donc, qu'est-ce que t'aimes le plus chez moi? C'est quoi ces questions là, premier degré? Non, alors je vous explique. Voilà, il y a une chose que vous connaissez pas à propos de cette personne, c'est qu'elle a beaucoup de mal à montrer ses émotions. Voilà. Moi qui suis pas du tout pudique par rapport à mes émotions et mes sentiments, cette personne là, tout le contraire. Donc vas-y, dis qu'est-ce que t'aimes le plus chez moi. Je sais pas, ta. J'ai l'impression que je suis au tableau devant tout le monde dans un oral d'anglais. Bah putain c'est super sympa hein. Vraiment faire des vidéos avec toi c'est génial. Ta discrétion. Bah déjà ta gentillesse, ta sensibilité, ton franc parler, genre en gros c'est un truc à dire tu dis. Attends, ce qu'elle dit, qu'est-ce que vous aimez le plus chez l'autre? Donc moi aussi je dois répondre. Si tu veux, ça fait toujours du bien. Alors moi ce que j'aime le plus chez toi, c'est sympa. Mais c'est vrai que c'est dur de répondre à cette question, il y a tellement de choses. Vas-y là. Ta spontanéité. Transparent, ça veut dire que tu fais pas semblant. T'es toi-même à 100% tout le temps. T'es honnête. C'est pourri. Bah non, c'est pas pourri. C'est pourri. Non, c'est pas pourri ta spontanéité. Tu voulais que je dise quoi? Je sais pas, t'as beau gosse. Mais oui, t'es beau gosse, ah, c'est sûr. Moi, tu m'as dit que je suis belle gosse. On l'a dit physiquement, on l'a dit. Non, on n'a pas dit mentalement, t'as dit les deux. Bah, tu serais pas avec moi si tu me plaisais pas physiquement. Bah, pareil. Mais pareil. Ah, vas-y, suis bon alors, c'est bon, on a torché la question. Next. Alors, qui est le plus bordélique? Ah non. Quoi? Alors, je vais vous dire un truc. Bah, donc, tu dis que c'est moi. Oh, de ouf. Ouf. Ouf, ouf. Moi, je dis que toi, par contre, t'as un problème, c'est que tu fermes pas les placards et. Quand tu te changes ou autre, bah tu laisses les vêtements par terre. Ouais. Tu les laisses par terre. Non. Genre, il n'y a pas de linge sale ou d'armoire, tu laisses par terre. Ouais, toi tu laisses tout par terre. Après, je vais pas mentir, t'es pas bordélique ou tu ranges pas, tu ranges grave et tout, tu vois. Mais... Non, je suis juste pas maniaque. Mais je suis pas bordélique. Question suivante et une très bonne question. Est-ce que la notoriété de Shera te pose ou t'a posé problème? Non, ça va. Non, sinon je serais pas avec toi, genre. Genre jamais? Non, peut-être au début, c'était bizarre dans la rue, quoi. Mais sinon, non. Sinon, j'aurais pas. Après, je te connaissais déjà en tant que pote, donc je savais. Non, en fait, non, je m'en fous. Ok. C'est pareil. On fait tous pipi, caca. Qui porte la culotte? Je sais pas, j'en mets pas. Non, mais c'était une question que je voulais poser pour la blague, parce que je déteste cette question, genre. De toute façon, c'est moi. Logique. Ça veut dire quoi qui porte la culotte? Hein? Ça veut dire quoi qui porte la culotte? Ça veut dire qui mène le couple? En gros, c'est avant, c'était les culottes. C'était pas les hommes qui mettaient les culottes.
On disait les culottes, tu sais, c'était les pantalons comme ça, c'était les hommes qui mettaient ça, non? Qui portent la culotte? Qui portent la culotte, genre en gros, c'est l'homme de la maison. Tu vois, parce qu'à l'époque, c'était l'homme qui portait la culotte. Non, mais voilà, on a la guerre et en tout. Fait, on n'a pas ce. Comment te dire? Enfin, je crois. Hein, on n'a pas ce rapport. On n'a pas ce rapport là. Ouais, non, non, il n'y a pas. Vas-y, suivant. On est un couple vachement dans l'égalité. Oui, allez. Après, je vais me faire un petit goûter parce qu'il est quelle heure là? Bien sûr! Allez! C'est bien de dire ça et c'est moi qui ai fait tout le temps tes petits bagels. J'adore, ils sont grave bons. Est-ce que vous vous voyez ensemble dans 10 ans? Suivant. Mais alors, vas-y, réponds. Bah, moi, oui, perso. Hein. Je vais pas passer 3 ans de ma vie pour pas que ce soit 10 ans. Hein. Logique. Y'a quelqu'un qui dit t'es un bon gars ou pas? J'ai un bon frérot. J'ai dit frérot, mais c'est qui? Alors, autre question. Arrête de lire les questions. Hein. Ah merde. Alors, tu es d'accord avec ses opinions féministes, etc. Es-tu aussi ouvert d'esprit qu'elle? Oui. Non, je rigole, ouais, bah oui. Ah non, par contre, il est grave comme moi. Vraiment. En fait, c'est moi. Bah, des fois, même moi, je te montre des trucs. Genre, moi, ça me choque. Genre. Ouais, c'est vrai. C'est même lui, des fois, qui va m'envoyer des articles, qui m'envoie des trucs qui se passent et tout, parce que lui-même, il est choqué. Donc, c'est. Faut évoluer en 2020. Ouais, c'est clair. Parce que sinon je pourrais pas être avec quelqu'un qui partage pas les mêmes idées que moi et qui n'a pas la même ouverture d'esprit que moi. Alors, autre question. Est-ce que c'est chiant d'être avec une queen? Horrible. Suivant. Bref, qui cuisine le plus? Sérieux là? Je sais même pas si tu sais allumer la gazinière genre. Ah, par contre, tu cuisines beaucoup. Tu cuisines le plus. Le plus? Je t'ai jamais vu cuisiner. Non, moi je fais les pâtisseries. Le confinement. Non mais je fais à manger. Un petit peu. Ah bon? On va dire que je suis ton commis. T'es le chef et je suis ton commis. Couper, genre moi je coupe le. Couper moi, une pêche, c'est pas faire à manger là. J'épluche et tout. Et toi tu fais à manger? Ouais, bon ouais. Est-ce qu'il peint? Est-ce que tu peins? Quand je vais aux toilettes, je peins les murs. Putain, quel pauvre. Alors, qui pète le plus entre vous deux? Je te laisse répondre. Quoi? C'est une usine à thème. Mais t'es malade. Non, j'avoue, c'est moi. C'est mon. C'est archi toi. J'ai autant de paix que je respire. T'expires des fesses, genre. Question de ta sœur qui te dit, quand est-ce que t'arrêteras d'être têtu? Quand elle arrêtera d'être casse-couille. Ta sœur, elle est... C'est elle qui, rien qu'en posant cette question, c'est toi tu montres que t'es têtu. On rentre dans des embrouilles de famille, là. Pour dire quelqu'un qui est têtu, c'est têtu. Car moi, je vais pas être têtu, je vais dire, ouais, je suis têtu. Ouais, et là, je suis pas têtu. Parce que j'ai dit que j'étais têtu. Oh. Sinon, j'aurais été têtu, j'aurais dit que j'aurais pas été têtu. Lequel est le plus attentionné? Toi. Ah oui. Je suis un homme des cavernes. Ah ouais, t'es un homme des cavernes. Le plus impulsif de vous deux? Toi. Non. Moi? T'es impulsif quand même. Mais j'avoue que je suis plus impulsif que toi. Genre toi, tu vas plus avoir tendance à être calme. Que moi, je vais agir dans l'axe sur le moment. C'est même toi qui me calme. Tu vas me dire, non, fais pas ça, non, fais pas ça, calme-toi, réfléchis, à tête reposée. Moi, je suis du genre à direct, si jamais il y a un problème ou quoi, okay, je me laisse pas le temps de descendre avant d'envoyer des messages aux gens. J'envoie des messages aux gens, je suis dans le feu, genre. C'est vrai ou pas? Ouais. Toi, tu vas me dire, non, franchement, dis pas des choses sur le coup de la colère, etc. Et tout. En gros, tu préfères que les choses, percer l'abcès direct, ouais, plutôt qu'attendre et voir comment évoluent les choses. Mm. S'il faut s'embrouiller, il faut s'embrouiller quoi. Qu'est-ce que tu t'es dit la première fois que tu m'as vu? C'est qui elle? Par contre, tu t'es vraiment dit c'est qui elle? Ouais, je pense que je me suis dit ouais, c'est qui elle. Moi, je me suis dit. Quel beau gosse? En costard cravate? Non, j'avoue, t'avais ta petite chemise bleue, tes petites chaussures marron et tout. Je me suis dit, il est classe quand même. La question c'était, est-ce que tu es autant à fond dans l'astrologie que moi? Grave pas. Ouais, j'avoue, pas du tout. Mais genre, mais pas du tout. Parce que pour lui faire plaisir, des fois, je dis ah ouais, vas-y, fais voir. Hein. Et donc du coup au final, vu que moi je suis une éponge, une éponge de savoir. De savoir et d'intelligence. Donc je suis obligé, enfin à fortiori de m'intéresser. Voilà, mais sinon, ouais, chacun son délire, mais moi c'est pas mon délire quoi, tu vois. Il est lion, ascendant lion, lune en bélier. Ouais. C'est dur. Lion c'est dur. Sa gueule, bélier sa fonce. T'es... C'était la dernière question du coup. Non. C'était la dernière vidéo avec ce connard. Il y a une autre question. Autre question que j'ai pu voir, c'est est-ce que un jour tu vas leur montrer ton visage? Je vais d'abord vous montrer mon cul et après. Je sais pas. Suspense.
Bon, en tout cas, j'espère vraiment que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce. Déjà, je monte de plus en plus. C'est passé de ma voix, derrière la caméra, là, c'est là-bas. Voilà, là, c'est au fur et à mesure. Bref, en tout cas, j'espère vraiment que vous avez kiffé la vidéo. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à me dire quelle prochaine vidéo vous voulez voir, s'il veut faire une vidéo. Voilà, sur ce, comme d'hab, je vous aime fort et je vous fais de gros bisous. Étoile, le mot de la fin? Tong. Tong, voilà, c'était le mot de la fin. Mettez-le en commentaire si vous êtes arrivé jusque-là. Bisous!